Vous êtes sur kezako.com. La vidéo d'aujourd'hui traite l'inversion du sujet. Regardons les exemples qui s'affichent sur la page. « Je t'aime », murmura-t-il. La lumière s'est éteinte. Aussi étions-nous obligés d'allumer les bougies. « Peux-tu m'aider ?» Qu'est-ce que vous remarquez dans ces phrases ? Il y a le verbe qui précède le sujet. C'est ce qu'on appelle l'inversion. Alors, quelles sont les situations dans lesquelles on inverse le sujet ? Alors, voyons les situations. C'est l'objet de cette vidéo. Alors, premièrement, nous avons les formes de la phrase interrogative. Bien sûr, ça, on ne va pas s'y attarder. On voit que dans la forme interrogative que le verbe est inversé avec le sujet. Comment vas-tu ? Est-ce vous ? Ou bien d'autres questions, on peut inverser le sujet. Dans la deuxième situation, nous avons l'incise. Ici, je laisse tout tomber, virgule, répéta le jeune homme. Alors, l'incise, ici, nous avons dans le discours direct, nous avons le verbe qui précède le sujet qui est le jeune homme et qui est séparé de la phrase au discours direct par la virgule. On passe à la troisième situation. Certaines expressions nécessitent aussi l'utilisation de l'inversion. Par exemple, ici, nous avons « encore faut-il que ». Toujours est-il que, bien sûr, le reste de la phrase, vous pouvez l'utiliser, on n'en a pas besoin, c'est juste les expressions que nous avons utilisées. Tout au plus, ai-je réalisé que, etc. L'exemple suivant, à peine avait-elle levé les yeux que, etc., le reste de la phrase. Donc ici, quelques expressions qui nécessitent aussi l'inversion du sujet. Quatrième situation. Dans des subordonnées relatives. Alors ici, j'ai pris deux exemples. Ce sont des conditions que, voilà le pronom relatif, que vivaient ou que vivent beaucoup de jeunes. Alors le sujet, ce sont les jeunes. Alors au lieu de dire, par exemple, les jeunes vivent cette situation, ici, on a utilisé avec le pronom relatif l'inversion. Alors, la deuxième phrase, c'est un sujet dont parle la presse. Qui est-ce qui parle ? C'est la presse. Donc, ici, le sujet également est inversé. Passons à la situation suivante. C'est dans l'expression de la conséquence. Bien sûr, dans la conséquence, on peut l'exprimer de plusieurs manières. Mais avec aussi et avec ainsi, on inverse le sujet. Il y a deux exemples ici. Je les ai mis dans un contexte pour qu'ils puissent être compréhensibles. Par exemple, l'entreprise souffre d'un grand déficit. Aussi a-t-elle décidé de réduire ses dépenses. Dans la deuxième phrase, avec ainsi, il a regardé plusieurs fois la vidéo. Ainsi a-t-il bien compris la leçon. Donc, ici, nous avons avec aussi et avec ainsi, on inverse le sujet pour exprimer la conséquence. Bien entendu, il y a aussi, donc dans certaines expressions ou certaines tournures poétiques, on utilise l'inversion pour mettre en valeur l'action. Par exemple, ici, vienne l'automne, souffle le vent. Par exemple, Apollinaire, il dit « Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont et je demeure ». Donc, on peut trouver ce genre de formulation dans la poésie. Attention, cependant, si le verbe se termine par « e » ou bien par « a », on ajoute un « t » pour permettre la liaison. Nous avons ici des exemples, par exemple, « aime-t-il le chocolat ?» Alors, on a « e » et donc, pour permettre la liaison, on a ajouté le T. La même chose pour la deuxième phrase. On a le A, on a ajouté le T pour permettre la liaison. Alors, ceci dit, lorsqu'on a D
ou bien thé, bien entendu, on ne va pas ajouter un autre thé. Donc, on va juste faire la liaison. Par exemple, ici, entend-il? Fait-il attention? Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine sur kezaku.com. Bon, j'espère. Ouais, ça va.